Père, mon Dieu, où est l'honneur qui m'est dû? Dites-moi, si ce n'est pas quelques petits noyaux dans ce pays qui donnent honneur à Dieu, est-ce que les gens qui sont au-dessus de ce pays montrent aux Ivoiriens qu'on doit honorer Dieu? Regardez un peu la petite vidéo de Donald Trump. Il parle de Jésus comme un pasteur. Vous êtes contre lui, qui n'est pas bon, il n'est pas bon. Parole de prophète, il va gagner l'élection, il arrive là encore. Amen. Vous voulez pas, Donald Trump va gagner l'élection là encore. Amen. Parole de prophète. Même si Dieu n'avait pas dit, mais à cause de votre méchanceté, moi je le positionne dans ma bouche pour que tu saches que quelqu'un même qui n'est même pas milliardaire parmi les pasteurs, que tu méprises, moi je parle et puis Dieu fait. Ce n'est pas une révélation, hein. C'est moi-même je dis Dieu dans quel le mettre là-bas maintenant. Et je le tiens direct. Et sera président des États-Unis encore. Regardez bien. Les démocrates se fatiguent. Il ne sera même pas destitué. C'est non-lieu. Les bêtises paraissent comme ça. On ne peut pas détester quelqu'un comme ça. Dis-le-moi comme ça. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Vous êtes dans ce pays, nos maîtres, nos dirigeants, peuple de Dieu, où est le respect que vous avez pour Dieu? Dieu te les amène à vous, sacrificateurs. Nous, les pasteurs, sur là-dedans. On s'insulte matin, midi, soir sur Facebook.